Où naissent les idées? Comment viennent-elles à nous? Une idée, c'est comme une petite étincelle qui brille timidement. Alors, quand elle arrive, il faut échanger, débattre, la questionner pour qu'elle se développe. Et ensuite, on la numérise. Ses possibilités s'étendent. Elle révèle son potentiel. C'est pour cette raison que vous devez communiquer facilement et rapidement. Pour que l'idée existe, car elle existe tout autant par ce qu'elle est que par ce qu'on en fait, par ce que vous en faites. Alors engagez-vous pour vos idées, alliez vos compétences, mélangez vos savoirs. Parce que l'idée ne viendra au monde que dans le berceau de plusieurs esprits. Soyez attentifs, cette étincelle est partout autour de nous. Et elle réside dans le moindre détail.